Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lyoma, inshallah, ranchoufou conjugaison. L'impératif présent, donc des verbes usuels du premier groupe. Donc, toujours parcours français concernant la sixième année de l'enseignement primaire. Donc, tout d'abord, on va commencer par j'observe et je découvre. Donc, on a des phrases, après, j'aurai les questions donc attachées. Attention, l'avion va décoller maintenant. Attachez vos ceintures. Quand nous parlons au téléphone, respectons toujours nos voisins. Termine tes exercices si tu veux jouer. Donc voilà, je vous mets les verbes, les mktoubin en gras. Donc attachez, respectons, termine. Donc, quel est l'infinitif du verbe écrit en gras et à quel groupe appartient-il? Donc, elle a attaché, donc c'est attaché en ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Respectant, donc c'est respecter, ER à la fin, donc toujours un verbe du premier groupe. Termine, donc terminer. Donc, les verbes coulomb appartient au premier groupe. Donc, deuxièmement, quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Donc, comme vous voyez que les verbes expriment donc des ordres, des conseils, des interdictions, donc automatiquement ils sont conjugués à l'impératif présent. Donc à quelle personne chacun de ces verbes est-il conjugué? Donc bnisba l'attaché, donc si conjugué avec vous, la deuxième personne du pluriel, respectant la première personne du pluriel et termine avec la deuxième personne du singulier. Donc voilà, maintenant je manipule et je réfléchis. J'observe le tableau et j'indique ce qui diffère dans la conjugaison du verbe. Donc je vous mets d'abord le présent de l'indicatif ou je vous mets l'impératif présent. Donc je vous le faire bien. Donc tout d'abord, l'impératif présent, je ne peux pas faire ma tu ou ma nous ou ma vous. Donc d'abord, je vous le faire bien tu. Présent de l'indicatif ou l'impératif présent. Donc tu termines. Donc ES à la fin. Par contre, l'impératif, on a seulement le E. Et non, terminant, donc c'est toujours terminant. Terminé, c'est toujours terminé. Donc les terminaisons, quand on a là, les terminaisons, donc les terminaisons de l'impératif présent, ils sont les mêmes que le présent de l'indicatif, sauf avec la deuxième personne du singulier. On ajoute seulement le E, donc on élimine le S. Donc la deuxième personne du singulier ne se termine pas par S. Radine de Zou, le deuxième exercice, j'entoure dans les phrases suivantes les verbes conjugués à l'impératif présent. Si vous voulez acheter un bon téléviseur, contactez. Donc voilà le verbe conjugué à l'impératif présent. Contacter un conseiller professionnel. Méfie-toi, les robots domestiques peuvent être dangereux. Donc méfie, méfie, donc le verbe méfie. Notre projet de classe doit être présenté demain. Terminons-le maintenant. Donc voilà le verbe conjugué à l'impératif présent. Terminons. Donc voilà le bilan de ce cours. L'impératif présent est un mode qui sert à exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. L'impératif présent ne se conjugue qu'à trois personnes. Donc, en arrière, la deuxième personne du singulier, m'as-tu, ou les premiers et deuxième personnes du pluriel. Et sans les pronoms personnels. Donc, en a, rères-tu, donc nous et vous. En général, les terminaisons des verbes du premier groupe conjugués à l'impératif présent donc sont les mêmes que celles au présent de l'indicatif, sauf donc il a la deuxième personne du singulier ne se termine pas par s. Donc là, ma tu donc ma la deuxième personne du singulier marche marchant marché donc s marche marchant marché donc les terminaisons sont e o n s EZ toujours ou ONS EZ. Donc voilà, radine de les exercices d'entraînement.
Donc, le premier exercice, je conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif. Enregistrer, donc on va à la deuxième personne du singulier. Donc, on va dire enregistre son dossier dans ton ordinateur. Donc, E à la fin, la deuxième personne du singulier. Copier avec la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Donc, copier avec EZ à la fin cette leçon dans votre smartphone. Regardez avec la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Donc, regardons ONS. Donc, je m'excuse, non, les lettres, donc, dix gouttes d'eau, les mots, les kits à stylo. Donc, regardons donc ONS, le match sur YouTube. Transformer, donc, ma, la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu transformes. E à la fin, cette phrase à l'impératif présent. Couper, donc à la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous, donc couper au Z à la fin le moteur. En dessous, le deuxième exercice, je transforme six phrases en utilisant l'impératif présent. Donc par exemple, peux-tu marcher correctement? On a question, peux-tu marcher correctement? Donc dînerai le verbe ou le complément. Marche correctement. Donc, voulez-vous monter ces équipements informatiques dans ma chambre? Donc, le verbe monter, donc monter ces équipements informatiques dans ma chambre, point d'exclamation à la fin, donc monter EZ à la fin. Devons nous arrêter, donc nous arrêter cette voiture électrique. Donc, devons nous arrêtons. Ou bien nous arrêter, pardon, donc cette voiture électrique. Donc, il faut arrêter. Donc, mais nous. Donc, arrêtons cette voiture électrique. Point d'exclamation. ONS à la fin. Allons nous montrer les avantages de la technologie. Donc, montrons, donc toujours nous, montrons ONS à la fin, les avantages de la technologie. Point d'exclamation. On passe maintenant aux exercices de je m'évalue. Premièrement, j'écris à l'impératif présent les verbes des phrases suivantes. Donc, tu ranges, donc, non. On a des verbes qui sont conjugués dans le présent de l'indicatif. On a dit ça dans l'impératif. Donc, on a dit les pronoms personnels. Donc, tu nous vois de matin que tu vois. Je fais l'impératif présent. Donc, range, un hey de S, bien sûr. Donc, range tes affaires et monte dans ta chambre. Nous empruntons, mais nous contactons. Donc, empruntons le TGV et contactons maman. Donc, Bnisba, nous ou vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a de t'ajouter les pronoms personnels. Alors que, donc, avec la deuxième personne du singulier, donc, on élimine donc, le pronom personnel. Ou radin haïdou t'as, t'as yamassin que tu vois. Donc, nous informons, donc, informons notre enseignant des horaires des vols pour Casablanca. Après avoir révisé avec ton ami la leçon d'éveil, rentre. Donc tu rentres, rentre à la maison tôt. E, vous exprimez, donc exprimez votre point de vue sur les inconvénients de l'Internet. Transformez cette voiture en avion. Donc, et finalement, on va conclure ce cours par le deuxième exercice de je m'évalue. Je conjugue à l'impératif présent les verbes suivants. Donc, on a trois verbes. Regarder, cliquer, télécharger. Donc, toujours, on travaille avec les verbes de premier groupe. Donc, comme vous savez, nous allons nous servir avec la deuxième personne du singulier, la première et la deuxième du pluriel. Donc, toujours, regarde avec eux. Regardant, regardez. ONS, EZ. Donc, les terminaisons sont nous. Donc, pour les verbes du premier groupe, toujours en E, O, N, S, E, Z. Clique, cliquons, cliquez, E, O, N, S, E, Z. Télécharge, E, téléchargeons. Donc, nous avons le double. Nous avons téléchargeons. Donc, je vais écrire directement O, N, S. Sinon, on écrira le verbe téléchargeons, pardon, téléchargeons. Donc, on va obligatoirement ajouter le E avant les terminaisons. Bah, je traduis le verbe téléchargeant. Donc, j'ai. Donc, il a jeté
يعني او راه كيتقرق دونك ضروري نزيدو او بحال لو كا ديال مانجي دونك مانجي ف نو كنقولو مانجو كنزيدو او عاد او ان اس اي فوالا O E E O N S donc I E Z à la fin téléchargé avec vous et voilà le cours d'aujourd'hui idan mouidouna fil vidéo l'qadim ghir khass l'orthographe et dictée toujours sur la même chaîne au revoir.